Bonjour, je suis Norman Letnik, ministre de l'Agriculture de la Colombie-Britannique et je travaille aussi de près à tous ceux qui touchent les affaires francophones. Les fêtes sont une période de célébration, mais aussi un moment de réflexion. Lorsque je regarde l'année qui prendrait bientôt fin, je suis fier des nombreux projets stimulants que le programme des affaires francophones appuie. En travaillant étroitement avec divers ministres et municipalités, l'accès à des programmes et à des services pour les francophones et francophiles dans toute la province a été amélioré. Ces partenaires sont le fruit de relations positives amorcées de longue date avec le gouvernement du Canada dans le cadre de l'entente Canada-Colombie-Britannique à maintenir les langues officielles pour les services en français. Je félicite les nombreux organismes francophones pour l'accomplissement cette année. Je peux vous assurer que le gouvernement de la Colombie-Britannique continuera de collaborer avec vous, avec tous les paliers de gouvernement et avec les communautés pour faire progresser et promouvoir l'héritage et le développement économique francophone. La nouvelle année est l'occasion d'apporter des changements positifs dans notre province. Alors que nous saluons l'arrivée de 2015, je vous rejoins à la perspective d'aider à la croissance économique de nos continents francophones et d'améliorer l'accès aux programmes et aux services pour les Britanno-Colombiens parlant français. Au nom de la Premier ministre Christy Clark et de mes collègues, je vous souhaite à tous des fêtes heureuses, chaleureuses et une excellente année 2015.